Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Yamaha du CIMA, le salon international de la machine agricole, qui se déroule tous les deux ans à Villepinte. Rendez-vous extrêmement important pour le monde de l'agriculture, bien entendu, et puis pour Yamaha, puisque Yamaha est un acteur majeur depuis de nombreuses années du monde agricole, que ce soit dans l'élevage, dans la céréale. Nous avons le grand plaisir, en tout cas, de présenter l'intégralité de la gamme Yamaha, donc des véhicules utilitaires qui savent tout faire, comme vous pouvez le constater derrière nous sur la PLV. Alors la gamme Yamaha, bien sûr, c'est une gamme homologuée pour la route. L'idée n'est pas de dire qu'un quad Yamaha puisse remplacer l'intégralité des tracteurs sur l'exploitation, mais c'est vrai que pour beaucoup de travaux, notamment de portage, pour pousser, pour aller faire le tour des exploitations, et puis bien entendu pour faire des traitements bien plus spécifiques que nous verrons dans le détail tout à l'heure, c'est un engin formidablement léger, qui consomme très peu, qui a l'avantage également avec ses pneus basse pression de ne pas marquer le sol, et dont la récupération de TVA aujourd'hui est parfaitement possible avec les homologations tracteurs que propose Yamaha. Alors la gamme se compose de 9 modèles, nous allons donc du Grizzly 300 de roue motrice jusqu'au Rhino 700 que nous avons ici. On va dire généralement ce sont des produits motorisés 4 temps, transmission automatique, donc facile d'utilisation pour l'ensemble des personnes. 2 ou 4 roues motrices, on a même la possibilité d'avoir des ponts bloquants, des suspensions indépendantes pour le confort. Yamaha qui a été il y a 5 ans la première marque à proposer la direction assistée sur ces produits. Et bien entendu, donc toujours cette volonté de la part de Yamaha d'avoir des véhicules extrêmement fiables. Yamaha est indéniablement reconnue par les agriculteurs comme une valeur sûre en termes de fiabilité, technologie et puis bien entendu de durée dans le temps. Alors, les quad Yamaha présentés ici sont, comme vous pourrez le constater tout à l'heure, intégralement présentés avec toute la gamme des accessoires que nous pouvons installer dessus, derrière ou devant. Ces véhicules qui sont extrêmement polyvalents. On y retrouve bien entendu tous les accessoires de pulvérisation, qu'ils soient tractés ou portés. On y retrouve bien entendu les pulvérisateurs ou les épandeurs anti-limaces qui ont fait notamment le succès et les heures de gloire du produit au niveau agricole. Nous avons remis cette année des accessoires un peu plus conséquents tels que le chariot d'épandage chenillé, que ce soit sur le quad ou le chariot lui-même, puisque nous avons connu quand même des années, une année 2012 assez humide. Nous présentons également des accessoires un peu plus typiques, tels qu'un préleveur d'échantillons, un nouvel accessoire qui est en fait une pelle mécanique utilisable et louable dans le réseau pour les particuliers, la lame à neige qui peut également servir à repousser l'ensilage au niveau des éleveurs, et puis bien entendu différents accessoires comme le porte-gibier que nous avons en chasse, ou bien entendu tout type de remorques qui peuvent s'atteler très facilement sur des quads utilitaires Yamaha. Yamaha également a pensé à faciliter ce travail puisque tous nos véhicules sont équipés de prises 3 points, de prises remorques ou de boules d'attelage de série. Alors bien entendu, le CIMA est également une opportunité pour Yamaha de proposer des opérations commerciales. Dans le cadre de ce CIMA, nous avons notamment signé un accord avec le Crédit Agricole qui nous permet d'avoir un financement 0% sur 3 campagnes pour quasiment l'intégralité de la gamme utilitaire Yamaha. Et puis, bien entendu, certains de nos clients sont toujours sensibles à l'offre pack 1 euro que nous proposions déjà depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, le client bénéficie pour 1 euro de plus d'un pulvérisateur ou d'un anti-limace ou d'un pack 800 euros dans le catalogue accessoires Yamaha pour l'achat d'un quad. Voilà, donc c'est avec plaisir en tout cas que nous accueillons l'ensemble des visiteurs sur le CIMA. Et puis, bien entendu, l'ensemble de ces visiteurs peuvent retrouver l'intégralité de notre gamme Yamaha sur notre site ou bien entendu au sein de nos 200 concessionnaires Yamaha en France. À très bientôt chez Yamaha.